Hier, on a réagi à la bande-annonce d'un film qui sortira le même jour, mais aujourd'hui, on va s'attaquer plus à un film d'horreur. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Sprizel, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Affamé, ou en anglais Antlers, qui est un film de la Walt Disney Company, donc je suppose que c'est un film de la 20th Century Studios, un film d'horreur thriller avec Kerry Russell, et qui sortira donc le 15 avril 2020. Je vais vous lire le résumé. Dans une petite ville minière de l'Oregon, une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune écolier. Les secrets de ce dernier vont entrer d'effrayantes conséquences. Ouh. Eh bien alors c'est parti, on va découvrir cette bande-annonce, lumière moteur, ça tourne, réaction et générique. Bande-annonce, c'est parti. Quelqu'un peut-il me donner un exemple de mythe? Le Loch Ness. Enfin, le monstre du Loch Ness. Il y a le Yeti aussi. Qui lui fait peur? Qui fait peur? Baba Yaga? Le Wendigo? Lucas? Fox Searchlight Pictures, ok. Qu'est-ce qui se passe? On a trouvé un morceau de corps humain dans la forêt. Comment ça, un morceau? Manger à moitié. La moitié a été retrouvée dans la mine. Dans la mine? Ça doit être un animal qui a fait ça, non? C'est vraiment le Wendigo? Ouh! Je connais aucun animal qui ferait ça. Ces dessins ont été faits par l'un de mes élèves. C'est ça, qui était dans la mine. C'est un esprit diabolique. Ah. Désolé, mais c'est un mythe. Pour vous, oui, peut-être. Eh, eh. Oh, produit par Guillermo del Toro. Il va venir me chercher. Ouh. Il a besoin de moi. Il est là. Mais où? Oh! Oh la vache! Il est géant en fait. On l'a vu sur la droite rapidement. C'est quoi cette coupe de cheveux, sérieux? Donc ouais, en fait, j'ai cité plein de mythes là au début de la bande-annonce, mais oui! Apparemment, c'est vraiment un film sur le Wendigo. Et comment je connais ce mythe? Ben, c'est grâce au jeu Until Dawn. Bon, par contre, ben, c'est cool d'avoir un film sur le Wendigo. Je crois qu'il y en a déjà eu pas mal sur ce fameux mythe, mais bon, pourquoi pas, hein. Bon, le film promet peut-être quelque chose de bien. Le concept du Wendigo, voilà, il y a du potentiel, quoi. C'est un putain de mythe. On va parler donc de cet esprit du Wendigo qui a été libéré à cause du cannibalisme. Enfin, c'est ce que nous raconte le jeu Until Dawn, hein. Et je suis sûr qu'on va relier plein d'autres mythes, genre Bigfoot. Non, en fait, c'est un truc beaucoup plus horrifique, les amis. Un film sur le Wendigo qui peut être vachement bien. En plus, bah, ça appartient à Disney, donc à voir ce qu'ils en font. Espérons qu'il y aura un peu de sang, je l'espère. En tout cas, ça s'est vu dans la bande-annonce. Ils n'ont pas peur de montrer un peu de gore, donc ça fait plaisir. J'ai hâte de voir ce film au cinéma. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Sprizel, coupé.